dans le radar non-life, il y a des outils, je dirais, pour les trois axes sur lesquels les courtiers sont actifs et demandent de l'aide. C'est un, la multitarification, l'offre qu'on fait aux clients, le marketing, je vais dire. Il y a la partie, je dirais, technique d'analyse de produits, qualitative. Et il y a aussi des outils qui servent pour la gestion sinistre, qui est quand même quelque chose aussi d'important. C'est le moment où le courtier montre sa valeur ajoutée aux clients. On est passé à des leaders plutôt que des winners, pour des raisons, je dirais, fonctionnelles d'ailleurs. C'était difficile de dire ça, c'est le meilleur. On ne goûte pas du vin, hein. on est dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Le digital, pour moi, c'est un outil. Il faut bien l'utiliser et absolument l'utiliser, le maîtriser. On a l'humain. Maintenant, on va acquérir le digital et on sera le canal préféré des clients en Belgique. Wikitree est une société que j'ai créée dans le secteur des assurances il y a 10 ans. Au départ, du consulting en actuariat et également en gestion de portefeuille d'assurance. Et donc, nous avons développé notamment ce système qui s'appelle WIZ, qui permet d'intégrer, grâce à de l'intelligence artificielle, des comparatifs qualitatifs, donc sur base des garanties et non des tarifs. Bien, de applicatie van WIZ beantwoordt perfect op de transparantie op de Belgische markt, want dat is zeer objectief. Hè. We beschikken over de algemene voorwaarden en gewoon, we stellen gewoon een vraag en we krijgen onmiddellijk het antwoord op basis van artificiële intelligentie, maar ook bijvoorbeeld op basis van het chatbot. Hè. En gewoon het feit dat de makelaar meer tijd heeft om zijn klant beter te kunnen adviseren en te ondersteunen. Nous avons réellement investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout d'énergie pour développer cette solution. Nous sommes déjà en train de travailler sur plein d'autres projets de développement, de comparatifs, de vues qui vont permettre aux courtiers et aux assureurs d'aller beaucoup plus loin, en tout cas dans la gestion. Le fait d'être leader sur ce segment non-vie nous donne encore plus de volonté d'aller plus loin dans les développements.